Hey, salut à tous les amis, c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi Fortnite. Et c'est un défi secret et c'est détruire les téléviseurs inquiétants, donc 0 sur 5. Donc comme un ami m'a dit, donc Bokuni m'a dit, MDR, on a déjà une télé dans le lobby, donc ça fait déjà 1 sur 5. Non, c'est faux, pas du tout, pas du tout. Mais on a des petites choses qui apparaissent sur la map petit à petit et pas mal de secrets. Et si vous voulez avoir tous les secrets de la map ainsi que les théories de saison 7, les potos, donc dès demain je serai en stream en compagnie aussi de Bokuni qui lui fera un autre stream à côté. Donc n'hésitez pas à venir checker un petit peu tout ça. En tout cas les potos, n'oubliez pas que on a le petit code créateur Bokuni aussi. Donc voilà, B-O-K-U-N-I, n'hésitez pas à nous soutenir dans la boutique. Et aussi n'hésitez pas à soutenir le glitch que je viens de faire, parce que je sais pas comment que j'ai fait. J'ai réussi à avoir la boutique alors que j'ai le lobby et que je vois Bokuni en train de danser derrière. Je suis vraiment je viens de glitcher. Donc voilà, rien que pour ça, mettez le code créateur Bokuni et likez la vidéo les gars. Et donc voilà le premier emplacement. Donc la télé est cachée ici, donc on peut voir donc qu'elle est directement là. On voit 4 jours aussi sur la télé, donc à mon avis je pense que ça va être changeable par rapport au jour que la nouvelle saison va arriver. Donc apparemment là au premier jour on est à 4 jours, ok, mais si vous faites le défi demain ce sera 3, etc, etc, ok. Alors du coup le premier emplacement est juste à côté de Fort La Crêpe, ok. Donc on est à côté de Sweetie Sen, à côté de Fort La Crêpe, et le premier emplacement est juste ici, ok. Donc il y a 5 emplacements en tout et on va déjà prendre la première et on va faire les autres, voilà. Et voilà du coup le deuxième emplacement est juste ici, donc à côté de Lazy Lake, ok. Donc vous allez sur la petite montagne et vous allez trouver du coup le deuxième emplacement. Donc on prend la télé et voilà. Hop, 2 sur 5, je vous remonte du coup les autres emplacements. J'ai un cadeau de Furonix en pleine vidéo. Bah merci à Furonix qui vient de m'offrir un cadeau en pleine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube pour remercier du coup du cadeau qu'elle m'a fait. J'imagine qu'elle m'a offert la pioche. Bah ouais, voilà. Un truc de fou, merci, merci. En fait, je lui ai dit que j'adorais la pioche, elle m'a offert la pioche, un truc de fou. Donc merci Furonix, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, elle sera en description. Voilà, let's go. Et voilà du coup, troisième télé. Donc on se trouve à côté du coup de la zone de Jonesy, ok. Donc à côté de Cathy Corner. Donc vous allez juste ici dans la petite montagne, voilà, à côté de Rapace, Simstone. C'est pas Rapace, c'est je sais plus quel bot, hein, bref. Vous allez ici, vous prenez la télé, du coup, voilà, hop, 3 sur 5. Bon, moi, c'est écrit 1 sur 5 parce qu'on a recommencé la PP, voilà. Et du coup, quatrième emplacement de télé, on se retrouve à côté de Dirty Docks. Donc, voilà, juste à côté de Dirty, on a, du coup, la petite montagne et on a l'emplacement de la télé juste ici. Donc, voilà, par rapport aux antennes, je vous montre un petit peu, hop, voilà. Et du coup, on a la télé juste ici. On va la prendre et du coup, il nous en reste plus qu'une seule. À côté de Craggy, donc à tout de suite. Et voilà du coup le dernier emplacement de télé, donc on est à côté de nulle part. On est à côté, voilà, de Craggy Clift, vraiment dans le petit îlot qu'il y a ici. Et vous pouvez voir donc la dernière télé pour valider votre défi. Alors moi bien sûr, vu que c'est une Ford Empoigne et que c'est en partie personnalisée, je n'ai pas toutes les télés, donc le défi va pas se valider à la fin de celle-ci. Mais vous, votre défi sera bel et bien validé, ne vous en faites pas. Alors du coup on prend la dernière télé et voilà. Du coup, sur ce, les potes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas de passer sur la chaîne YouTube de Furonix, ça me ferait extrêmement plaisir pour la remercier de m'avoir offert une pioche quand même qui coûte ultra cher. Et en tout cas, merci à elle. Donc, merci à l'amour de ma vie, MDR. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir la petite chaîne de Furonix, ça me ferait plaisir. En tout cas, sur ce, ciao, bye bye, à la prochaine, et puis c'est tout. Et puis, à la prochaine dans de nouveaux lives, etc. Voilà, ciao!